bienvenue sur notre chaîne Livre-Échange. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman Stabat Murder de Sylvie Allouche. Sylvie Allouche a été actrice et a suivi des études de théâtre pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle écrit et se consacre principalement à la fiction. Le titre Stabat Murder fait référence au morceau Stabat Mater de Pergolèse, qui est une œuvre musicale religieuse de 1736. Mais Stabat Mater signifie avant tout la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus. Sur la couverture, nous apercevons quatre visages d'adolescents incrustés dans les touches noires d'un piano. Ce qui laisse à penser que l'histoire va se dérouler autour de ces quatre personnages sur un fond de musique classique. Les quatre personnages principaux, Mathis, Valentin, Mia et Sacha, des petits prodiges de la musique classique, à un mois d'un concours, ont disparu sans aucune raison apparente. Les parents inquiets vont voir la police qui rejette leur demande pensant que ce n'est qu'une fugue. Mais des étudiants qui disparaissent comme ça sans aucune raison, c'est suspect. Le commissaire Diladio qui mène l'enquête alors que son frère a lui aussi disparu mystérieusement il y a quelques années. C'est pour cette raison qu'elle décide de se donner à fond dans l'affaire. Elle recherche le moindre indice permettant de retrouver les jeunes virtuoses. L'histoire alterne enquête et vie des jeunes avant et après l'enlèvement. C'est un véritable page-turner, un ouvrage que vous ne pourrez plus lâcher une fois que vous l'aurez entre les mains. Au revoir. Et à bientôt sur notre chaîne Livre-Échange.